Alors, avec Moto Azoko Benga Katumbi, comme on ne cesse de te le dire, pourquoi tu ne l'arrêtes pas? C'est un criminel. Ozo Bangaye, Ozo Kimaye, qu'est-ce qu'il y a au juste? Que fait ta justice au pays pour ne pas appréhender Katumbi? C'est un criminel, c'est connu. Pourquoi on ne l'arrête pas? C'est parce que tu es son complice et tu es en train de distraire la population. Oh, Katumbi Asaliboy. Oh, Katumbi Asaliboy. Oh, Sika Kei Balba, Alak Samwasinaye, Azana Mwasi Atuti, mais ta femme est Tutsi. Nyakero est Tutsi. C'est parce que ce mythe que tes médias et toi-même tu racontes Kazalimouche, c'est faux. Vous pensez que les gens qui l'ont vu naître, grandir, sont tous morts? Comme Caméré qui se dit qu'il est du Kivu, il est mouche. Alors que chez le Bashi, il n'y a personne qui a le nom de Caméré. Au Kivu, il n'y a pas de gens qui ont le nom de Nyakero. Il n'y en a pas. Mais on a vu ta femme naître, grandir, évoluer à Kinshasa, aller à Londres. Sa sœur qui travaillait à l'ambassade de l'Angleterre, rwandaise, comment? Sœur Néo-Kikozala, rwandaise, il y a comme congolaise. Comment ça? Comment tu peux justifier ça? Et les aboyeurs de tes médias continuent à dire Maman, Nyakero, une femme distinguée, pourquoi on doit envoyer nos enfants en Europe? Pourquoi ne pas améliorer l'enseignement au pays? Comme c'était à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui quittaient l'Éthiopie, qui quittaient Burundi et les pays avoisinants, qui venaient étudier chez nous. Pourquoi elle doit devenir distinguée parce qu'elle prend des enfants rwandais? Elle est distinguée en quoi? Alors que sa vie légère est connue de tout le monde. C'est maintenant qu'elle devient distinguée. Alors que son CV est très bien connu. Mais nous devons cesser de mentir. On se moque de qui comme ça? La distinguée dame. Mais on peut faire cette politique sans avoir une femme à côté? Pourquoi elle doit être l'ego de sa l'alter ego de son mari partout à tout moment? C'est pas, il ne faut pas mentir. Nyakero, c'est une Rwandaise. Nous connaissons ça très bien, une Tutsi. Yonde Ngozaliwana. Comme je te l'ai dit hier et dans ma intervention, et comme les autres le disent aussi, Ngozaliwana, avec toutes les gaffes que tu as commises dans un pays organisé, tu mérites la prison ou la pendaison. Tu mérites ça. Biloko nyonso oyo bakizaka yo na yango oyo salaka, tu n'as jamais nié ça. Tu n'as jamais prouvé le contraire. Et comme on dit en français, qui ne dit mot, consent. Tout le monde, si quand il y a une grande masse de supporters, appellent ça une marée humaine. Mais il faut attirer attention en gros, c'est du populisme. Ou bien Molangwa, il y a Kozala, l'unique qui peut écraser tout le monde. Banguna Nabiso, les Occidentaux, s'en fout la bilokwana, il y a qui populisme, que vous allez populaire, ceci et cela, ils s'en foutent. Donc, si quand Kende, Zala et Kenge, Mpo, Bazali déterminé. Soki Mundele n'a pas complice naye, Balingi Bazwa Eloko, Bazala ka déterminé quoi qu'il arrive, parce que Zali, race ya Batoyo, Bazala ka nansonite. Renforcer donc. Système de la sécurité, il y a renseignement, et c'est quand il y a ce qu'il y a.
ndenga na otikuluba kozana mulangwa te ya popularité parce que bato bazoko ya kotala yo bato mingi mpe bazo ya kotala yo parce que baza ba chômeur ba mususu ba mona kayo na télévision kaka to na kati ya ba journaux ba mona yo en face boyete donc zali bato nyoso wana bazoko ya kotala yo nde o balingi yo te afi o balingi yo il y a ceux là qui sont curieux. Nombreux, ce sont des badauds qui viennent satisfaire Missouna Bango. Donc, qui popularité wana, qui marée humaine wana, le pesayo molangwate. Kokumisa, ou va médiana yo kumisa yo, le pesayo molangwate. Tu dois te protéger. Au moins, tu as commencé à poser un bon geste. Babing Sekio, na Kenya, au Bouaki Okende. C'est bien. Mpe na Sengi na yo, kokende mpe te, isika nyoso oyo bako benga yo. Parce que, ndengo wanande babomaka, abiyarimana, na président ya Burundi, ils s'en foutent. Même ata avyo zali piloté na nekona bango mundele, bayebi ke bako bomba avion na bato aza na kati bako kende ko dédommager famille ya pilote na copilote. Ils s'en foutent. Quand ils sont déterminés, ils veulent atteindre les buts. Donc ko kanisa te ke tu es le plus populaire ndenge nazo koyoka ba journaliste en média privé na yo bazo komisa même média à l'état bazo komisa yo ke tu es le plus populaire bazo komona yango. Kuzana molangwate. Laurent Gbagbo azala ki populaire. Baya ki ko bombarde ye na presidence na ye. Ba longoli mwasi na ye bilama pe ba lali ye. Mbote na bino bana Congo. Bon après-midi. Nakanisi bino nyoso bozali ko résister contre bitumba oyo mokili mobimba ezali ko sala contre biso. Lobby na bimaki na etando oyo cet après-midi na bimili susu pour m'adresser na mwana mboka Félix na batu na ye je voudrais dire ba supporter na ye media na ye surtout oyo zoko pesa biso bansango bazali ko pesa biso ata reporte na bansango musala oyo bazali ko sala ezali musala malamu ezali ndenge ba chrétien balobaka soki balingi ba kumisa Yesu na bango balobaka Yesu okokani na moto te awa na mokili to na likolo a part peut-être Nzambe papa na yo Félix yompe okokani na moto te na ba élection oyo tuzali kobenga ba opposant, bazali vraiment ba opposante. Bango bazali ba opposante. C'est comme na yopse ki yo lobi, ozali na opportunité munene. Tumoni yo, bisika nyoso zokende, ya une grande masse, te supporter appelle ça une marée humaine,
Mais le moko, il faut attirer attention en gros, c'est du populisme ou bien Molangwa. Il y a Kozala, l'unique qui peut écraser tout le monde. Banguna Nabiso, les Occidentaux. S'en fout, la biloko wana, il y a qui populisme, que yo allez populaire, ceci, cela, ils s'en foutent. Donc, si quand kende, Zala et Kenge, mpo, bazali déterminé. Soki mundele na ba complice na ye, balingi ba zwa eloko, bazala ka déterminé quoi qu'il arrive, parce que ezali race ya batoyo, bazala ka nansoni te. Renforcer donc système na ya sécurité, ya renseignement, et si kanya sozo kende, ndenga na oti koloba koza na molangwa te ya popularité parce que bato bazo koya kotala yo bato mingi mpe bazo ya kotala yo parce que baza ba chômeur ba mususu ba mona ka yo na télévision kaka to na kati ya ba journaux ba mona yo en face boyete donc zali bato nyonso wana o bazo koya kotala yo nde o balingi yo te afi o balingi yo il y a ceux-là qui sont curieux. Nombreux, ce sont des badauds qui viennent satisfaire Miss Nabango. Donc, qui popularité wana, qui marée humaine wana, les personnes yo molangwate. Kukumisa, oh, médias na yo kumisa yo, les personnes yo molangwate. Tu dois te protéger. Au moins, tu as commencé à poser un bon geste, babing sekio na Kenya, au bois qui au kende. C'est bien. Mpe na sengi na yo, ko kende mpe te, isika nyonso oyo bako benga yo. Parce que, ndenge wana nde babomaka, Habyarimana, na président ya Burundi, ils s'en foutent, même ata avion zali piloter na ndeko na bango mundele, bayebi ke bakoboma avion na bato baza na kati bakokende kodédommager famille ya pilote na copilote. Ils s'en foutent. Quand ils sont déterminés, ils veulent atteindre les buts. Donc, kokanisa te ke tu es le plus populaire, ndenge nazo koyoka ba journaliste en médias privés na yo, bazo komisa même en médias à l'État, bazo komisa yo ke tu es le plus populaire, bazo komona yango. Kozana molangwa te. Laurent Gbagbo azalaki populaire. Bayaki kobombarde ye na présidence na ye. Balongoli mwasi na ye bilama pe balali ye. Bazwye bake kotia ye na boloko. 10 ans. Ye. Na petit na ye ya confiance Blé Goudé. Bien que certains Ivoiriens, bah, matakati na toiture la présidence, babilo, boya kubombiso, on les a bombardés. Ils n'ont pas hésité à venir dernièrement tuer Kadhafi. Bien que Kadhafi soit là qui dictateur, il était populaire dans son pays. Ils s'en foutent, ils sont venus tuer. Ils l'ont fait. Moi, on a Hafez el-Assad, la Syrie, n'eût été l'intervention de la Russie. Lélo, ce qu'a un bon mot, l'Occident coalisé, Bayak, pour balongolaï na pouvoir, ba alimenter rébellion. Il y a l'État islamique, Basal Djihad contre Yé, n'eût été la Russie qui est venue écraser tous ces méli-mélo-là. Ce qu'il est là, président Assad Azali, n'a pas bon gâté. Et que dire de Saddam Hussein?
Saddam Hussein, Azalaki populaire, malgré dictature, naïe, c'est quelqu'un qui a développé ce pays à Longoli Yango presque na âge. Il y a Pierre Taillé, au niveau de modernisation. Les lois, le prétexte que les Mindele Bayaki Nango pour promouvoir la démocratie, toujours comme on a voté. Irak, et si que tu basé au futa. Pétrole était bon. Si il y avait des stations basées au futa, ça n'allait pas au-delà d'un dinar, non? Ou de zéro dinar. Basé au Zouango, au filet parce que Zaki Mboko Nabango. Et on pouvait voir comment il a construit ce désert. Quand on est toujours comme on a le loyer Dubaï, parce que la plupart, il y a pays, le Golfe Persique, il y a le désert. Mais les leaders ont construit ces pays, comme Saddam Hussein. Ils l'ont pendu comme un chien en public et ils l'ont jugé le calomnia, la biloko mingi mingi alokuta. Nde kona bisu angambo wa biarimana babomaye tibo ye. Jujema ye zalakate. Cela ki diz ki bazoko sala promosyo a demokrasi e pi bazoko impose le respect des droits international e de droits humains. So ki basi wazui ce qu'il cherchait, s'en fout. Ok, nayo, pamba. Alors, yonde ngozali wana, comme je te l'ai dit hier et na ba intervention moussous na salaka. Et comme les autres le disent aussi, ngozali wana, avec toutes les gaffes que tu as commises, dans un pays organisé, tu mérites la prison ou la pendaison. Tu mérites ça. Biloko nyoso yo bakeza kayo na yango yo salaka. Tu n'as jamais nié ça. Tu n'as jamais prouvé le contraire. Et comme on dit en français, qui ne dit mot, consent. Sans doute, tu peux aussi opposer une autre expression à cela en disant que le silence est d'or et la parole est d'argent. Bon, je te le concède. Mais nengeni ni ba accusation zali mingi mingi boyo pona yo mutu mawaka abagaf ozoko sala. Comme je te le disais, dans un pays organisé, tu mérites la prison à vie, et dans le pays le plus strict tel que la Chine, tu mérites une exécution publique. Mais j'espère que ces derniers temps aucun olamo comme moi. On ne sait pas si c'est ma média na yon des okwa sabiso ou réellement ce qu'il rapporte zali ko outa na comportement na yon yasikao zali renouvelé. On nous dit que Titeba mena pour la souveraineté, pour la sécurité du pays. On nous dit que ozali kobunda yo là-bas occidentaux, entre autres, les Américains, les Français, les Britanniques, les Belges et peut-être les Allemands. Est-ce que cela est vrai? Point d'interrogation et même d'exclamation. Félix, on dit bien comparaison n'est pas raison, mais le développement, très souvent, c'est l'imitation, c'est l'amélioration de ce que les autres ont fait. On imite ce que les autres ont fait et on améliore. C'est ça le développement. Dans le cas de Figuier, il y a Nani, il y a Bissot pour l'insécurité et puis situation à guerre dans Anakati. Comparaison à Zoukoulou Bazali, si réellement, il y a le lobby que vous allez contre les gens qui nous enquiquinent. Pourquoi tu n'imites pas les trois pays du Sahel faire autant que le Niger, le Burkina Faso et le Mali? On doit chasser la Belgique,
on doit chasser les Français, on doit chasser les Américains, on doit le faire. Et Kobengana Bango directement cherche une couverture et la Russie. C'est la Russie qui a toujours aidé ma pays, il y a tiers-monde dans l'histoire, c'est ça. À part il y a tiers-monde, c'est la Russie. Oui, c'est le Saka Chine à l'époque. Oui, c'est le Saka Corée du Nord à l'époque. Oui, c'est le Saka Vietnam à l'époque. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Au lieu de te limiter seulement à consommer un avion, au lieu aux oies, ma expert na bango, comme les trois pays que j'ai cités, ben ça là, tout bazo ko ça là. On ne va pas faire cette diplomatie kaka ya kolbaka français, kolbaka français. Tu te rappelles, il y a un politicien, Klaus allemand, qui avait dit une diplomatie, enfin une guerre, une diplomatie sans armes, c'est comme une musique sans instrument. Oki koyemba malamu, kasi soki bambunde zalite, ba instrument mosu zalite, eko zala na agrément ya malamu te. Eko zaka mongongo, mongongo. Mais oh, les gens ont besoin d'écouter les sons du tambour, les sons d'harmonica, de piano, etc. Ba instrument ne faut zali. Ça ne doit pas se limiter seulement à koloba français mingi, et puis t'entourer de médias qui te défendent. C'est pas ça. Il faut réellement qu'on engage des instruments, des outils de guerre. Toyebi que depuis le nom de Cyril Kabila, ba vient ya Sukoi wana et Sombama. Si vous avez acheté d'autres, tant mieux. Mais Hippolyte Kajambere Kanambe ne voulait pas les utiliser contre ses frères, contre son pays, le Rwanda, et ses voisins, les Ougandais. C'était là. Sikoyo, tes médias nous parlent d'une montée en puissance de l'armée congolaise. Nous voulons réellement et pratiquement voir cette montée en puissance. Comment tu vas illustrer ça? Que notre armée est montée à puissance si on n'utilise pas vraiment Baviona. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller bombarder Kigali? Nous voulons voir si la France lui viendra en aide. Parce que ce serait une légitime défense. Nous n'avons jamais attaqué les Rwanda, les Burundi, ni l'Ouganda, le Kenya et les autres pays de l'Est qui nous attaquent. Nous ne les avons jamais attaqués. Nous avons toujours été hospitaliers et c'est cette hospitalité qui est le faible du Montou et surtout du Congolais. Et à l'époque du président Mitterrand, il nous avait obligés d'accueillir, d'ouvrir les portes pour accueillir le fuyard Hutu qui venait. Hospitalité et si la caté. Ces gens nous disent, yo, le bio zali mon mboka, tu voudrais te précipiter dans la élection. Mais tes frontières sont ouvertes. Ton armée est passive parce que nous ne voyons pas cette montée en puissance. Nous n'allons pas croire les commentaires de tes journalistes, soi-disant journalistes entre guillemets, bon, nombreux, se sont improvisés des journalistes. Bon, sans doute, nous ne sommes pas là pour chercher à savoir où est-ce qu'ils avaient décroché leur diplôme, si ils sont allés dans des écoles de journalisme. Ça, ce n'est pas trop notre problème, mais à les voir et à les entendre parler, nous trouvons que nombreux sont des amateurs. Et nombreux ne connaissent pas les journalistes, mais la façon dont ils parlent, comme s'ils sont drogués, et parce qu'ils veulent gonfler ta popularité, enfin, qu'ils opèrent bango bango. Ça, nous voyons. Bachar, d'après ce que nous savons,
bah armes ezali parce que tu continues à dire que non Congo ezali ku souffrir un embargo bon embargo basi balongo lango qu'est-ce qui empêche maintenant qu'on continue ku souffrir armes et puis aller bombarder attaquer Kigali. Tu nous avais nous apprenons qu'il y a des enfants qui étaient allés se faire former en Israël, je ne sais pas où encore. Bon. Où sont-ils? Tu les gardes seulement dans ta garde présidentielle, comme à l'époque de Mobutu, avec la brigade présidentielle, pour aller tuer les gens à Goma, c'est tout. Qu'est-ce font ces gens-là que nous avons vu défiler sur les artères boueuses de Kinshasa? Où sont-ils? Où sont ces militaires que nous avons vu dressés, habillés à l'américaine? Où sont-ils? C'était un film que tu tirais ou quoi? Ils doivent aller au front. Ils doivent être payés. Rwanda yango ezaka na makasi ya ndenge nini oyo biso tuzaka incapable ya kobomba bango, ya kodefaire bango. Pour que Museveni chasse Idi Amin, autaka na Tanzanie sika zalaki na rebellion na ye, amati aye kuatake Idi Amin, pedia Idi Amin akima yake okufa na Jeddah. Au lieu de continuer yako échanger kaba maloba o Kagame alobi boye o ba général ne balobi boye o ba Rwanda balobi boye o, mais pourquoi ne pas attaquer? Parce que Kagame c'est qui? C'est un être humain. Il suffit d'entrer au Rwanda, d'entrer à Kigali et il va détaler, il va fuir et ça sera fini. Que envoyer tes chiens aboyant tous les jours dans les médias. Non, le président, son excellence, diplomatie, ce n'est pas ça. Nous avons besoin de la real politics. Il faut que ce soit pratique. Ça ne doit pas se limiter, il y a comme ça là, gagner des guerres sur le plateau de télévision, alors que Batobasili, à Okufa. Tu ne vas pas devenir excellent à travers Minoko et Batobasili, ou Kumisayo, ou Bazoko Flateyo. Tu es accusé de beaucoup de mensonges. Alors, si tu veux renaître de nouveau, si tu veux te réhabiliter, si tu veux que la population va pardonner, mais, yo motozan est bon gâte. Fais quelque chose. Au lieu que ça se limite sur les plateaux de télévision où les gens viennent, coucou Misayo, Asaliboye, Omoni, Atine Jean-Pierre Bemba. Non, Jean-Pierre Bemba, Atine qui est pour faire quoi? Le ministre de la Défense, il fait quoi? C'est aller réclamer Banako et Papa Naye, c'est tout. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Alors, vos attitudes, vous tous, vous êtes des complices dans tout ce qui se passe. Pourquoi ne pas faire la guerre au Rwanda et à Kagame? Vous êtes en train de condamner les observateurs de l'Union africaine, de l'Union européenne, au Baya qui Balingi va s'imposer. Nous saluons ce geste si cela est vrai. Pourquoi il faut Baya observer l'élection d'Abisso, Babeng Sakabisso, Bafricain. Il n'y a pas longtemps ici, deux ans, je pense, à côté de l'Afrique du Sud, au Zimbabwe, l'Union européenne était arrivée aussi. Et même l'Afrique du Sud avait envoyé des observateurs. Emmerson Mnangagwa, le nouveau président, les avait chassés. Il a fermé les frontières et les élections ont eu lieu. Et il a gagné ces élections. Qui parle? Mais le président. Alors, ce qui est l'Union européenne, il y a toujours sous la tutelle des Occidentaux avec leurs complices installés au pays. Mais vas-y! Il y a Kolobalomingo. Ce qui est l'Union européenne, c'est bien. Avec Moto Azoko Benga Katumbi, comme on ne cesse de te le dire, pourquoi tu ne l'arrêtes pas? C'est un criminel. Ozo bangaye, ozo kimaye, qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est fait ta justice au pays pour ne pas appréhender Katumbi? C'est un criminel, c'est connu. Pourquoi on ne l'arrête pas? C'est parce que tu es son complice et tu es en train de distraire la population. Oh Katumbi Asaliboy, oh Katumbi Asaliboy, oh. Mais ta femme est toute.
Nyakero et Tutsi. C'est pas ce mythe que tes médias et toi-même tu racontes Kazali Mouche, c'est faux. Vous pensez que les gens qui l'ont vu naître, grandir, sont tous morts? Comme Kamere qui se dit qu'il est de Kivu, il est mouche. Alors que chez le Bashi, il n'y a personne qui a le nom de Kamere. Au Kivu, il n'y a pas de gens qui ont donné de Nyakero. Il n'y en a pas. Mais on a vu ta femme naître, grandir, évoluer à Kinshasa, aller à Londres. Sa sœur qui travaillait à l'ambassade de l'Angleterre, rwandaise, comment sœur n'a aucune cause à la rwandaise, il y a comme congolaise. Comment ça? Comment tu peux justifier ça? Et les aboyeurs de tes médias continuent à dire maman, Nyakero, une femme distinguée, à ce côté de la banne, à ce côté de la banne, à ce côté de la banne, pourquoi on doit envoyer nos enfants en Europe? Pourquoi ne pas améliorer l'enseignement au pays? Comme c'était à l'époque, parce qu'à l'époque, il y a des gens qui quittaient l'Éthiopie, qui quittaient Burundi et les pays avoisinants, qui venaient étudier chez nous. Pourquoi elle doit devenir distinguée parce qu'elle prend des enfants rwandais? Ati bangura maintenant na Kisanto, parti na Mbazangungu, ati na bangura kendenga na mbongo ya Congo. Elle est distinguée en quoi? Alors que sa vie légère est connue de tout le monde. C'est maintenant qu'elle devient distinguée. Alors que son CV est très bien connu. Mais nous devons cesser de mentir. On se moque de qui comme ça? La distinguée dame. Mais on peut faire cette politique sans avoir une femme à côté? Pourquoi elle doit être l'ego de sa l'alter ego de son mari? Partout, à tout moment. Il ne faut pas mentir. Nyakero, c'est une Rwandaise. Nous connaissons ça très bien, une Tutsi. Katumbi, sa femme est Tutsi, ça nous connaissons. Mais ne cherchez pas à nous distraire avec des comparaisons inutiles. Nous avons besoin de toi qui es là. On ne peut pas t'obliger que n'est nécessairement qu'on parle à moi si à ceci. Tu es libre d'aimer celui qui est demain. Toi-même, ce que ça dit, moi, Namboka, agis selon les espérances de nous, tes compatriotes. C'est ce que nous voulons. Ton problème de sexe, ton problème de femme, ça, c'est pour toi, tu es libre. Parce que je sais que si tu avais une femme, ce qu'on appelle entre guillemets blanche derrière toi, les Congolais allaient ramper et allaient l'adorer parce qu'au bali mundele. Mais on est en train de te critiquer ou de critiquer Katumbi ou toi parce que vous êtes en bas, il y a Batumund. Mais ceux qui basent à la Kamindele, Batumange Baya, c'est ma boy. Comme c'était au Gabon avec Ali Ondimba, comme en Côte d'Ivoire, avec Ouattara. Là, les Noirs, Bazali, très content parce que souffrant de ce complexe du colonisé. Bamodi, pour son monde, comme si pour son monde, des allées spéciales. Qui a besoin de la peau de l'homme blanc ou de la femme blanche? Il n'y a pas de belle peau que la peau du Noir. Il n'y en a pas. Et Bamidi, Mounio, sur le Bakango. Donc, c'est ça de mentir. Nyakero, c'est une Rwandaise, nous la connaissons. Tout ça, c'est écrit. Hein? Mais ça, c'est la distraction. C'est toi qui dois faire un effort pour chercher à te réchauffer parce que nous t'accusons d'incompétence, de la complicité, du volet, de beaucoup de choses. Mais tu dois chercher à changer. Tu dois chercher à changer. Katumbi ne vaut rien devant toi. Moi, je ne vais pas continuer ou je ne vais pas te critiquer que autant gâté comme les autres le font. Parce que l'instruction étant tellement très importante dans la vie d'un individu moderne, cependant, nous avons vu beaucoup de personnes instruites sont les mauvais managers, ce sont des détourneurs d'argent. Ceux qui bakangi moto, okoyokano, professeur d'université. Oh, Asalaboy, Asalaboy, mais Ayibi. Alors, on se demande, entre l'instruction et la sagesse, et le patriotisme et le nationalisme, il y aura plus à l'imalamo où il faut tout ça en ango. Mais au moment où on a parfois moto, il y a qu'un achikite, à ça que j'ai bien,
koleka bao baza na ba diplôme biso to za ba diplôme okomona mosana biso za koyiba. Donc nous sommes allés à l'école tous ba diplôme sophistiqué ba connaissance sophistiqué pour na koyiba. Donc nga na critiquer te parce que otanga te na ko critiquer te pour otanga te. Moi je t'attaque pour la gestion, pour la complicité, pour la incompétence. Mais si tu veux te réhabiliter ou qu'on te réhabilite, nous, tes compatriotes, la mouka, parce que pour le moment, Olali, ce n'est pas en dernière minute comme ça que tu vas chercher le soutien de nous, tes compatriotes. Alors que nous t'avons toujours parlé qu'Obanda, Ozoa et Bonga, Otieba, Koton, Nakati, Amato et Nayo, Mpo, plaisir kaka, bakou misayo kaka, c'est tout. Et en dernière minute, donc comme ça va piquer, nakati ansoto, nakati a bongo na yo. Non? Voyons voir si tu vas traverser le Rubicon. Mais je te demande d'éviter cette popularité parce que mounde le soki alinga bomayo, il s'en fout. Hein? Il s'en fout. Il faut, dans la vie, parfois profiter des effets de surprise. Kolingate, yo! On surprendre Rwanda. To beta bango, to kote la Rwanda. Et cette histoire de droit international, de ceci et cela, de tribunal pénal et causalité, parce que nous aurons agi na légitime défense. Et il y aura toujours des gens pour nous défendre. Et d'ailleurs, nous devons nous défendre. Pourquoi? Je parle bien, pour me répéter, de légitime défense. Poutine l'a fait. En Russie, contre l'Ukraine, le droit international est saluapi. La communauté internationale est saluapi. Alors, il ne faut pas chercher à nous endormir. Non, la communauté internationale est saluapi. Il ne faut pas checker, serveur, il y a vote. Ce sont des faux fuyants. Je t'ai dit hier, qui veut protéger sa souveraineté doit avoir le pouvoir de décision ou de décider. Et il faut se foutre de ce que les autres disent. Communauté internationale, à tout moment, non. Communauté, c'est pas ça, c'est faux ce que vous dites. Attaquons le Rwanda. Autune batuma armée. Osomi Minduki, Zaloué, Ezo Salanini. Attaquons le Rwanda et nous allons voir Banane Bakote la Barwandais. Au lieu de passer tout le temps bâton dans les médias, venir parler, kolobama comme pamba, oh, soukoye, matie, kei, et beti bango réglementaire, et bomi, 83 mercenaires français. Soki ma mercenaire français, bazo kote la baronne. Mais nous savons que Félix est l'ami personnel d'Emmanuel Macron. Soki ozali ami na yete. Mais kata relation na ye bengana. La France et la Belgique, comme les autres pays de Sahel, l'ont fait. C'est tout ce que nous attendons. Et en tout, la case y en a ni na Rwanda. Peut-on mourir? Troisième ou quatrième guerre mondiale, et bien, masikoye. On en a marre de tes médias et de tes gens qui supportent. Baya ka mikronyo, soko kosa bato, se remplacer devant les écrans. Chacun a sa télévision, na kati a poche, na kati a cuisine, na kati a toilette, na kati a salle de bain, tout le monde qui veut parler. Cela doit cesser. Comment un pays tel que le Congo a qu'on ne peut espérer que l'Afrique du Sud, l'Afrique australe est à défendre biso. L'Afrique du Sud a si abunda bitumanini. L'Afrique du Sud abunda bitumanini. Vous êtes extrêmement complexé parce qu'ils ont hérité d'une infrastructure que Mundele Atonga, Atikila Bango et heureusement, ils ont hérité d'une certaine organisation administrative qui fait que l'équipe est en développement. Mais est-ce que la Kakimundela a la Kawate? Ça devait être une république bananière comme le Congo. Alors, vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a qu'on défend l'expérience et l'habitumanini par les Sud-Africains. L'ancien président Jacob Zuma a tindi batouba qui ne peut garder ma mine naïe la République centrafricaine. Quand le rebelle Michel Djatoza a zaki président kuna, plus de 250 Sud-Africains bakoufa kuna.
parce qu'ils ne savaient pas comment se protéger, bah, yembi bitumate. Oui, à l'époque de l'apartheid, les avions de chasse de Mindele, ils ont qu'ils ne parfois la Zambie, dès qu'on bombardait le quartier, et si qu'on a passé d'Afrique, parce qu'ils ont exilé, ou bien, et ça, ils ont attenté dans Mozambique, et empoisonné, anciens combattants, au moment de Suze, il n'y a que ça qui le sait. En 1996 ou 1995, Babundaka contre les Soto, à cause, il y a problème, il y a maille. Les eaux du haut plateau de Lesotho. Vous devez savoir que l'Afrique du Sud, ils allaient un pays semi-désertique. Ils allaient entourer dans l'océan ou ils allaient dans Maï, ils allaient à Mungwa. Il faut désaliniser Maï, on n'a pas dans Maï, ils allaient potable. Alors, ils allaient grand investissement, il y a Lesotho. Lesotho, ils allaient net, point kaka. Ce qu'on a dit dans la carte, il y a Afrique. Pour mettre par terre les autres, l'Afrique du Sud a pris 6 mois, plus 2 mois, à ce que nous avons payé Moukéboy. Alors, vous attendez Sadek, parce que vous avez un militaire. Quelle est l'expérience que l'Afrique du Sud a eu dans la guerre? Mais vous devez quand même lire l'histoire et les documents. Depuis que les Sud-Africains, Bassi Babunda, les Sud-Africains, avant l'indépendance, il y a Angola. L'Afrique du Sud est un contingent. Bak Nekubunda, Angola, l'air Cuba est un des bâtiments. Baya Kouede, un peu là, et se débarrasser de pouvoir là-bas, il y a un portugais. Au nord de la Namibie, à l'époque de l'apartheid. Avant Koutou, conflit Zamounène entre Inita et un peu là. Vous savez combien de Sud-Africains, Bakoufa Akuna, de jeunes Sud-Africains, Mindele surtout, combien Bakoufa Akuna? Ils étaient massacrés par nous les Congolais, que Mobutu avait envoyé, par les Cubains, que Fidel Castro avait envoyé, parce que Baïbi ne Bangoubi Toumbate. Ce n'est pas parce qu'ils fabriquent des armes qu'ils sont forts. Ce n'est pas le fait de tenir un couteau qui fait de toi une personne forte. Monaka, ba kickboxer, ba karateka, okoye la mbeli, il finit par t'arracher ça et te tue avec ça. Donc ce n'est pas le fait de fabriquer des armes qui fait de l'Afrique du Sud que Bazali fort. Il en est de même avec l'Amérique. Pourquoi l'Amérique a gagné que Bitumba est mon côté? Pourquoi l'Amérique a gagné Bitumba a gagné la coalition? C'est la raison d'être. Il y a organisation de traité. Et Atlantique, et là, il y a la raison d'être de l'OTAN, l'organisation de traité Atlantique Nord. C'est parce que l'Amérique, malgré sa soi-disant guillemets, grande puissance, elle est incapable de se battre seule. Ainsi, à quoi qu'elle est toujours dans la coalition à bateau. Alors, tu sais qu'elle dit, où tu comprends un bateau, il y a ESC, Afrique de l'Est. Ce n'est plus ça. Tout cela qui est quand même là-bas, à Monique. Monique, ça fait une vingtaine d'années, ce qui 26 ou 24 ans. Pourquoi Obengi Batua Aïssé Baïa alors que Monique est là? Quel est le rôle de Monique là-bas? Pourquoi ne pas chasser d'abord Monique avant, après Obengi Baïssé? Et c'est Baïa et l'autre Obasali est salité. Maintenant, Obengi Batua Sadek. Il n'y a pas longtemps, au Fongola Kinzela, Penepena Bunagana, Ezokouta, Uganda, au Sevene, Azoko investir, Bakoya, Baïa ko sécuriser Bissot. Mais ça, c'est du coq-à-l'âne. Tu es en train de tâtonner. To bangole bakoya ko quand ko se contenir na côté ya Kindu. Mais c'est quelle politique ça? C'est quelle diplomatie ça au bato na yo bazo ko komisa? Je te le répète hein. Klaus Witz, l'ancien diplomate allemand, à Lubaka boy. Une diplomatie sans armes, c'est comme une musique sans instrument. Une pomme musique c'est la kitoko. Il faut la mélanger dans mbunda, na guitare, na harmonica, na flûte, etc. Comme ça, peut-être que vous avez un kolemba, l'instrument est continué. Parfois, l'instrument est kolemba, mongo est continué. Mais toi, diplomatie agissante, diplomatie bonne, cette diplomatie ne va pas libérer le Congo ou ya kolobaka français partout. Ça, ce n'est pas ça. Il faut agir. Nous sommes attaqués. Ceux qui nous ont attaqués ne sont pas venus avec la diplomatie. Ils sont venus avec des armes pour nous tuer. Et ils continuent à nous tuer. Toi, tu vas parler le français partout. Ceux qui n'ont pas sauvé, parce qu'on bête à avion à Wana, du colon de Kumon.
et ça sera fini avec toi. Et tout ce monde-là qui vient parler, donc son excellence, tous vont se taire. Comme ceux-là qui, tous les jours, ont commis Samobu, tous ces échos partout. Bakimat. Et Kamba, et Yole, Kamoi, Bongenye. Masou, du Tamba, Kaenga. Banani, na banani. Tout ce monde-là. Bazali, wap. Bakanga, mon okot. DSP. Et Silat. Donc, si tu veux entrer dans la grande porte et sortir par la grande porte, mon frère, faisons la guerre. Faisons la guerre na Rwanda. Kobenga Bato, Sud-Afrique. Les Sud-Afriques ont toujours été là-bas. À l'époque de soi-disant Joseph Kabila, Bazalaka Wana. À l'époque de Mbemba, Bazalaki Wana. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, Bazalaka Wana. Il n'y a que deux pays qui nous avaient aidés. C'était la Namibie et le Zimbabwe, grâce au pragmatisme du président Mugabe, qui était et qui demeure et qui demeurera l'unique one man standing du panafricanisme après Kadhafi. Il est le dernier panafricaniste. Le reste qui se font passer pour des panafricanistes, ce sont des domestiques de plan. Alors pourquoi aucun n'est en Afrique du Sud? Tu nous ramènes dans Imblogio kaka wana kaka. Hein? Hier, j'étais appelé que vous en êtes mbisi. Ok, comme il boit, la carte à Bokila. Mokola Bokila est à Kangio. Tozana Bokila, le Botswana, Yanania, ya Oni. Après Oni, Oben ANC. Après ANC, c'est quoi le Kobenga? Bah, Sud-Africain. Si tu dénonces la complicité de la France avec le Rwanda, mais chasse la France, chasse la Belgique. Imite ce que les autres ont fait au Sahel, Burkina Faso, et le Niger et le Mali. Mais ces gens sont un peu calmes. En moins de 7 mois, ils ont accompli ce que la France n'a pas pu faire pendant plus de 60 ans. Depuis que Bazali est indépendant, il y a toujours des rebelles, des djihadistes, alors que c'est la France et l'Angleterre n'a pas pu nous financer. Parce qu'ils appliquent la théorie de la philosophie de Hegel. C'est ça la théorie hegelienne et hegelienne. Ils provoquent la situation. Ils attendent la réaction. Ils vous proposent la solution. Mais ce sont toujours les mêmes. C'est ce qu'on appelle sapeur-pompier. Aïe Koutoumba, n'a qu'on en a moto pour. Atali le bandi ko be marakata ba fenêtre ayi ngana sana mai doko ko ko baka na ko ko sala sayo mais yem da ko tumbala mai na na anda ko mai c'est ça la solution nani de marche nani ya ba mindele et si tu ne veux pas ça ba sana sonité hein? Ils ont bombardé Laurent babo ba kangé ba tina bloc ba ju moto ya Burkina Faso Ouattara, Bati est président Mboko Isaïa Yeti. Et il est maintenant à son 3e mandat. Ils s'en foutent, hein, des Ivoiriens. Qu'est-ce qui les empêche de prendre Katumbi ou Batono Bazoko Akize, Bazoko Akize? Ils vont te tuer parce que tu es en train d'hésiter. Arrête-les! Arrête tout ce monde-là qui enquiquine les Congolais. Arrête-les! J'espère que tu as des oreilles pour écouter. Et que tu as des yeux pour voir. Et je fais cette déclaration pour le Congo de Lumumba. De Kasavubu, de Kimbangu, de Kimpavita, pour tous les Congolais martyrs et les Congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Bon après-midi. Oye na société ba société belé boyoka lesate dokoma na ba foyer nene moko papa na maman dialogue lesate eko malobi mwana bimi fasé akiminda ku mwana komi na balabala mwana bonla na wenze pour nini dialogue lesate na ba foyer bomoni lelo mindele ba sangana ki ba sali ero mbomo komi makasi pour na dialogue. Dialogue des sali dollars, les lots et salamakas. Dialogue des sali les livres sterling et salamakas.
y a un moment où dialogue est nécessaire dans la vie d'Abisso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tout ça, bon, il y a un Congo dialogue, sérieux, tchiki.